قبل أن نبدأ، لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. مساء الخير، أهلا وسهلا. أول استدعاء وكانت مفاجأة، يعني ما هو شعورك في وجودك اليوم مع الفريق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فرحان بزاف مع ليكيب وكاع لي كرون جوار هما هنايا وكاع، أني فرحان بزاف أني معاهم الحمد لله. شفنا بلي استقبال يعني خاص ليك انت، واش يعني تقولنا نحول الموضوع هذا؟ الحمد لله بالك مي لا بريمير فوا تاعي، ان شاء الله تكون بيان. تكلمنا شويه على بدايه الموسم، يعني صراحه درت بدايه الموسم مستوى كيما يقول لك لونترينمون ما حبش انا كاع، راني في عامين ولا صراو لي بروبليم وكاع ما حبش لونترينمون، الحمد لله ربي جبت نتيجه الحمد لله. هل كنت تنتظر هذا يعني الاستدعاء؟ وهل يعني الناخب الوطني يتكلم معاك؟ كنت نقارع، كنت نخدم ونقارع نقارع وين تيجي زهري، حتى الحمد لله ان شاء الله نكونوا خير ان شاء الله. ماشي هذه المره الاولى اللي تقمصت العنوان الوطني، لعبت مع محليين وايفان 3 ايفان. واش راك تنتظر في هذا التربص هذا الاول؟ ان شاء الله يكون خير ليا، ان شاء الله ندخل في الجروب والخف و بالتوفيق ان شاء الله يا ربي. ميرسي. امين، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. دابور فوتر ريسونتي tout à l'heure quand j'étais dans l'avion vers Alger une fois arrivé au CTN de Sidi Moussa. Non, ça fait plaisir, beaucoup de fierté et j'étais très content de venir ici et j'ai hâte de commencer l'aventure avec l'équipe nationale. Bah, quel a été l'accueil des joueurs, du staff? Très bien, franchement très bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis ici. Franchement, j'ai été très bien accueilli et j'espère que ça va continuer comme ça. On a vu qu'en début de saison, vous avez changé de club, vous êtes en équipe nationale, des objectifs bien précis à votre niveau. Ouais, après j'ai des objectifs en club. Après, l'équipe nationale, c'est d'emmener l'équipe le plus haut possible, Inch'Allah, et de l'aider à remporter des titres. On vous sent très très à l'aise, tranquille, pas de pression particulière? Non, pas de pression, tranquille, je vais jouer comme d'habitude, je vais être comme d'habitude et Inch'Allah ça va le faire. Hier vous avez marqué contre le PSG, un petit mot là-dessus? Ouais, après j'ai marqué, ça fait toujours du bien de marquer, mais malheureusement on a perdu, j'aurais aimé qu'on gagne, mais bon c'est comme ça. Enfin. Vous attendez à quoi pour ce stage? Il y a deux matchs, le Cap Vert, l'Egypte. Vous avez vraiment envie de jouer? Ouais, envie de commencer. Après, le coach, il verra par rapport au temps de jeu. Mais dès qu'il fait appel à moi, je vais jouer. Je vais tout donner pour ce maillot. Le coach a certainement beaucoup parlé avec vous sur la façon de jouer, sur le poste. C'est le cas? Non, pas encore. Okay. Pas encore. Je pense que je vais parler avec lui là. Genre, on saura ce moment. Et après, on verra, Chanda. Vous avez une palette assez intéressante en attaque, donc vous pouvez jouer là où il vous demandera le coach? Oui, bien sûr. Je peux jouer n'importe où en attaque, donc là où il fera appel à moi, je serai là. Bon, certainement vous allez être en face d'un public, etc. Un petit mot, le dernier mot pour le public algérien? Ah, je sais que c'est un peuple qui suit très beaucoup l'équipe nationale et les joueurs, donc j'ai hâte de commencer et les rendre fiers. Merci beaucoup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf.